T'as jamais des bigoudis? Mais toi, des fois, t'as des questions. Je sais pas à quoi tu penses. Mais parce que je pense à 405, elle met des bigoudis. J'avoue. J'avoue, c'est sûr, elle met des bigoudis. Je pense. Mais les... en plus, les gros, ceux où t'es obligé de mettre un pic qui sont roses. Ça y est. Bravo. Bravo. Elle est belle en plus, waouh. Magnifique ta tâche. Arrivée à 23h. J'ai envie de me pendre là, putain. Tiens. Tu remarqueras, j'avais dit 23h30, je suis pas toujours aussi généreuse. Non mais franchement, tu t'en sors hyper bien pour une première semaine. Tu sais, il y a des gros nazes qui se sont renversés des tonneaux de vin rouge sur la gueule pendant des mois avant de réussir à porter un plateau. T'y arrives, toi? Bon, j'avoue, à 21h, j'avais même pas envie de te faire une tâche dans le dos. J'ai pas fait, hein, parce que c'était pas sympa, donc j'ai pas fait. Mets un t-shirt la prochaine fois et moulant. Mets en valeur ce physique de furet. Parce que déjà que t'es pas bien épaisse, et en plus tu mets que des trucs super larges, les clients vont penser que je te maltraite. Bonsoir, monsieur André, je vous encaisse. T'as physique de quoi?